si la vie n'est pas sans beauté. Il est temps que je range cette place. Ma vie, et c'est l'amour qui vraiment, je crois. Bon. Perdu, j'y ai cru. Tu voudrais nous sauver. Eu vou trabalhar. Eu não sou uma pessoa que desiste. Então. Je viens de revenir du marché et il faut que je montre. Voilà, tu as vu. Regarde, c'est pas la chose la plus mignonne de la terre. J'ai acheté cette plante, elle est beaucoup trop belle. Beaucoup, beaucoup trop belle. J'ai acheté, en fait, j'en ai acheté plein qui vont arriver après. Et j'ai acheté celle-là qui est magnifique. Et mais moi, je suis folle. Hein. Elle savait pas, Juliana, quand elle a commencé à mettre des plantes chez moi. Et j'ai acheté ces deux petites-là. Elle. Et elle, pour mettre dans la cuisine. Oh, c'est trop beau. Est-ce que j'ai des petits pots? Ah, ben vas-y, on va le faire maintenant. Et en fait, je crois que les pots, ils sont parfaits. Est-ce que les pots sont pas... Bon, c'est pas exactement parfait. Mais... Pour le moment, ça va marcher. Le problème, c'est que là, en fait, il n'y a pas de trou. Donc, elle ne va pas être rose, la plante. Ça fait grand et là-bas, ça va, elle va suffoquer. C'est pas grave, je vais le trouver autre part. Singing me with your attitude. Je sais pas si j'ai filmé un peu ce qui avait été fait dans, en bas, mais en gros, là on a attaqué la chambre individuelle, c'est la chambre que je loue au mois. Et en fait, là le couple qui est, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait sur les murs nanana et ils ont mis le nouveau carrelage. Et en fait, il nous est encore arrivé un truc, il y a toujours des problèmes de commande au Brésil, et enfin à Rio. Je vois le reste du Brésil, mais c'est toujours un peu la merde. Et en fait, Juliana avait commandé une certaine couleur dans un magasin ultra cher. On va que dans des magasins ultra chers pour acheter le matériel parce qu'on veut du matériel d'excellente qualité. Donc, on achète dans ce magasin très cher. Je le précise parce que dans un magasin de luxe en France, ça pourrait jamais arriver. Même dans un magasin pas de luxe, ça pourrait pas arriver. Mais là, ça nous arrive tout le temps. Donc, pour la deuxième fois, un autre magasin de luxe dans lequel on commande nos carrelages me livre un carrelage qui n'est pas de la bonne couleur. Du coup, on a reçu un bordeaux alors qu'à la base, ça devait être un vieux rose, un truc comme ça. Rien à voir. Mais comme on n'a pas le temps en fait de le renvoyer, là, on a une deadline qui est que dans quelques jours, il y a une fille qui va entrer dans cette chambre. Donc, il faut que la chambre soit nickel. Donc, on s'est dit, ok, bah, du coup, la salle de bain, elle sera blanche et bordeaux. C'est pas grave, on change tout. Donc je t'ai pas montré, je te montre là sur la photo, je sais pas si tu vas voir. Donc du coup c'est comme ça. Donc là c'est le mec qui est en train de mettre les trucs. Et on avait une question, je pense que j'ai pas filmé non plus parce que j'avais pas de batterie. Sur le côté là, tu peux voir qu'il y a un mur en pierre. Et en fait ce mur en pierre, c'est un peu l'histoire de la maison, tu vois. C'est le vrai mur. Et ça avait été laissé comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte, parce qu'on l'avait aussi dans la salle de bain des filles, que ça sentait mauvais parce qu'en fait, comme la graisse, la saleté, ça s'accrochait à la pierre et que la pierre, c'était compliqué à nettoyer finalement. Et que ça avait toujours un peu une odeur d'humidité. Donc, dans la grande salle de bain des filles, on a pris la décision, très douloureuse pour moi, on a pris la décision de couvrir avec du drywall, donc des trucs de placo, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, ça doit être placo,
pour faire une salle de bain toute parfaite, toute belle, avec du carrelage partout. Ce que je trouve une bonne idée parce que ça va plus sentir mauvais, ça sentait beaucoup l'humidité, ça sentait mauvais, on savait pas d'où ça venait, mais ça venait de là. Et ça va être beaucoup plus propre et visuellement ça va être plus beau. Ok. Sauf que dans cette chambre, ça me faisait vraiment trop de peine de l'enlever. Donc, on a décidé de mettre une vitre en fait, pour couvrir en fait avec une vitre. Et devant, il va y avoir le bac à salle de, pour se laver. Et de mettre des lumières en haut pour valoriser ce mur en pierre et pour qu'on le voit comme si c'était un peu dans un musée. Donc on va le voir, mais on va plus y avoir accès et donc il y aura plus les odeurs, les machins. C'est pas une trop bonne idée? J'ai hâte de voir ça. Alors on est lundi et on a jusqu'à vendredi pour terminer les travaux parce qu'après il y a des meufs qui arrivent à la maison. Vendredi on sera... Vendredi, on sera le 1er et le 3, on a jusqu'au 3. Le 3, il y a des petites qui arrivent chez moi. Donc, il faut que tout soit prêt là. On a une semaine, on a 7 jours, moins aujourd'hui, 6 jours pour trouver. De nouveau, j'ai envie d'être chaud.